Bah, t'as des nouvelles de ta sœur? Non, toujours pas rentrée. Oh putain. Pourvu qu'il ne soit pas encore arrivé une couille. Bon, je m'en inquiète pas trop, elle s'est démerdée, hein. Ouais, mais saoule comme elle l'était, j'en doute. Tu sais, dans ces états-là, elle est encore plus dangereuse. Bah justement, c'est pas pour elle que je m'inquiète. Pour le pauvre type qui va la prendre en autostop. Bon. Je m'en fais pas trop, elle nous a pas encore ramené de cadavres. Et puis, les seuls à se soucier de son agressivité, c'est mes parents. Ils s'en plaignent beaucoup. Mais de quoi ils se plaignent pas, ceux-là? En fait, toi, ton bouquin, ça avance? Ouais, pas mal. Mais il va encore falloir que je me tape un boulot de merde, genre pute. Pour payer l'édition, donc c'est un peu la merde. On a déjà galéré pour le premier, non? Ouais, mais à l'heure actuelle, où est-ce que tu veux aller sans pognon? Regarde mon père, il galère pour me payer une école de cinéma qui ne me mènera certainement nulle part, alors que moi je rêve de devenir écrivain. Le monde, il est vraiment mal foutu. Là. Ouais, mais au moins, toi, ton père, il se soucie de toi, quoi. Ouais, tu parles. Cinéaste. Alors, cinéaste, je veux dire, le cinéma, c'est en train de devenir un art de commerçant, c'est une industrie. Alors que, attends, écrivain, ça c'est la classe. Serviette. Merci. Dinde, t'aurais pas vu mon flingue?